aujourd'hui, je dois finir Minecraft, mais à chaque fois que je casse un bloc, et bah j'ai un item aléatoire. Alors non, c'est pas une blague, à chaque fois que je vais casser un bloc, et bah il y aura un item aléatoire, il va falloir que je trouve quel bloc donne quel item afin de pouvoir progresser dans ma survie et finir Minecraft. Ah, ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, dans cette vidéo, il n'y a pas la facecam, mais la facecam arrive dans la prochaine vidéo. Soyez un peu patients les gars, je sais que vous avez envie de la voir, mais pour les plus chanceux d'entre vous, vous l'avez déjà vu en live. Et ouais, si vous voulez voir les streams, il faut activer les notifs. D'ailleurs, en tout cas les gars, boum, voici la liste des derniers abonnés à la chaîne. Si tu veux apparaître sur cette liste, bah il suffit d'être abonné. On est en route vers les 200 000 abonnés maintenant, donc il va falloir charbonner. Je sais qu'on peut le faire ensemble, donc c'est parti, la machine est lancée. Vous avez le lien de mon Discord dans la description. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Ok les gens, on se retrouve directement en jeu. Bon, qu'est-ce que je fous dans ce monde? Donc là, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais casser des blocs, il y aura des trucs aléatoires. Attends, je vais essayer directement et... Wesh, ok d'accord, ouais ça fonctionne. Je pense que chaque bloc est assigné à un nouveau bloc en fait. Ça veut dire que ça, bah, c'est des demi-dalles. Donc si j'en casse un autre, ouais, c'est bien effectivement des demi-dalles. Si je casse par exemple des fleurs, ok, bah là ça fonctionne pas. Et ça, ça fonctionne, non, ça fonctionne pas les fleurs, d'accord. Il faut absolument que je trouve le bloc qui me donne du diamant. Ou alors carrément des blocs de diamant, imaginez. Bon, j'ai hâte de vraiment trouver le bon bloc. Bon, il faut que je trouve vraiment un bon truc. Déjà, on va commencer par casser du bois pour voir qu'est-ce que c'est. Allez, s'il te plaît, dis-moi que c'est un truc vraiment bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh purée, je sens que ça va être compliqué. Comment je vais faire pour trouver du bois là? Attendez, c'est peut-être ça. Non, mais c'est peut-être ça. Non, mais wesh, c'est quoi? Peut-être les autres herbes, ça donne autre chose. Et oui, ça donne autre chose. Mais bon, c'est pas très utile, je vous avoue. Je veux du bois, moi. Peut-être les lianes, est-ce que ça donne... Oh, ok, ça donne des blocs d'or, les lianes. Ok, parfait. Eh, je vais en prendre plein, comme ça, si je tombe sur des piglins dans le nether, et bah je pourrais faire des échanges. Et en vrai, ça peut être cheaté comme ça peut être super nul. Si je trouve pas les bons blocs, et bah je peux rester bloqué à là où je suis, mais pour le moment, bah j'ai trouvé un bon bloc. Oh là là, c'est la richesse, regardez, c'est l'argent des abonnés en fait. Bon, un nénuphar, qu'est-ce que ça donne? Ok, oh, ça donne du bois, parfait. Bon, ça en donne pas beaucoup, mais... Ah non, mais ça en donne pas, mais attends, c'est quoi qui donnait du bois? C'était ça? Ah ouais, c'était ça, ok. Wesh, attendez, regardez ça! Les hautes algues dans la mer donnent de la bouffe et même des émeraudes. Ah là, les gars, je suis vraiment bien. Attends, mais dans l'eau, c'est la mine d'or en fait. Bon, au moins, j'ai trouvé comment avoir du bois, c'est déjà ça. Oh, attendez, il y a de la canne à sucre juste ici. Attends, qu'est-ce que ça donne? Ok, ça donne des trucs pas ouf, ok, très bien. Il y a un truc un peu relou, c'est que oui, j'ai plein de bouffe, mais j'ai pas de quoi la faire cuire. Il me faut de la cobblestone pour faire un four. Bon, maintenant, il faut que je trouve de la cobblestone. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Heureusement que j'ai eu du blé parce que je peux au moins me faire du pain, c'est déjà bien. Je viens de remarquer un truc, j'ai posé ma table de craft, mais quand je vais la casser, est-ce que je vais récupérer une table de craft? Et non, j'ai récupéré un panneau, nickel. Mais ça veut dire que si je repose le panneau et que je le recasse, je vais revoir un nouveau truc. Mais oui, on peut faire ça à l'infini en fait. Attendez, mais wesh, ok, très bien. Allez, donne-moi un truc bien, allez, s'il te plaît. Mais wesh, attends, ça va vraiment me donner des blocs à l'infini, mais ça se trouve, je vais réussir à trouver du diamant grâce à ça. Oh, s'il te plaît, donne-moi un bloc de diamant ou un truc. Mais wesh, c'est quoi ces blocs? Allez, s'il te plaît, et ça donne plus rien, d'accord. Bon, bah, je crois qu'il y a une limite. Mais en vrai, ça peut être pas mal de reposer les blocs que je récupère. Donc, par exemple, ce petit bois là, est-ce que si je le casse, est-ce que je récupère par exemple du diamant? Allez, s'il te plaît. Non, d'accord, je récupère rien du tout. Très bien. Oh, mais attendez, le sable, qu'est-ce que ça donne? Oh, ok. Le sable, ça donne une canne à pêche. Est-ce que ça donne des cannes à pêche différentes? Et attends, mais j'ai eu d'autres trucs là. J'ai eu une hache en cobblestone. Du coup, oui, ça donne des enchantements différents. Bon, la canne à pêche, ça m'est pas très utile. Du coup, bah, je vais casser directement du gravier. Et ok, j'ai eu un pot. Et si je casse le pot, qu'est-ce que ça donne? Oh, ok. Et maintenant, si je recasse ça. Okay. Ouais, attendez, on peut avancer encore. Allez, donne-moi un truc cheaté. Oh, de la soul sand. Et maintenant, bah, plus rien, d'accord. Ok, je crois qu'il y a une limite de à peu près 5 blocs. Oh, mais en vrai, on a tellement de choses à essayer. D'ailleurs, bah, il y a de la clé juste ici. Attendez, on va prendre ça. Et wesh, ok, d'accord. Ça donne des blocs de cactus. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Oh, ok. Je sens qu'on commence à avoir des trucs un peu mieux. Allez, dis-moi que ça donne un truc vraiment bien. Et ok, bon, ça donne plus rien. J'avais aussi ce bloc de bois en fait, parce que j'avais transformé le bois. Qu'est-ce que ça donne du coup, ça? Ok. Et maintenant, encore du bois, d'accord. Et maintenant, oh, ok. On a réussi à avoir notre première armure. Et d'ailleurs, ça donne 14 de flèches. Je pense que je vais farmer ça jusqu'à avoir un stack de flèches. Ça peut être vraiment utile pour tuer l'Ender Dragon. Alors, hop, de retour dans l'eau pour récupérer un maximum de bûches. Bon, j'ai 16 bûches. On va directement, bah, tous les péter. Heureusement que j'ai une hache, hein, parce que sinon, ça prendrait vraiment une éternité. Ok, voilà, j'ai fini de tout péter. Du coup, maintenant, il faut que je m'attaque encore à des blocs. Et je vous jure, on va les avoir, ces instacks de flèches. Et c'est reparti pour un tour. Maintenant, hop, on récupère un maximum de trucs. Parfait. Mon objectif, c'est d'avoir un stack de flèches. Donc, normalement, ça devrait le faire. Et en plus, il y a moyen qu'on ait un full stuff en or, là, je suis en train de remarquer. Ok, parfait. J'ai réussi à avoir 16 de fer et un stack de flèches. Et d'ailleurs, j'ai quasiment la full armure en or. Du coup, avec mes 21 de fer, bah, je peux peut-être me faire un petit peu de stuff en fer. On va se faire même une petite épée et pourquoi pas une petite pioche. Voilà, là, on est bien. On commence déjà à avoir un petit stuff stylé. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bloc intéressant à casser dans mon inventaire? Alors, j'ai celui-là. Je sais pas si je peux le casser. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'il donne? Dis-moi que c'est. Ok, il donne plus rien, d'accord. Donc, ces blocs sont inutiles. Maintenant, on va essayer avec ces blocs-là. Allez, s'il te plaît, dis-moi que ça donne. Ok, ça donne de la redstone. Très bien.
bien. On va essayer de faire un bloc de redstone pour voir qu'est-ce que ça va donner si on le casse. Ok, j'ai 9 de redstone, maintenant j'ai plus qu'à faire le craft, boum, et paf. Allez, s'il te plaît, dis-moi que ça donne du diamant. Et non, ok, d'accord. Attendez, on a une seconde chance d'avoir un truc stylé, et non. Bon, bah, c'est pas très grave. Attendez, mais j'ai pas essayé de casser les blocs d'or. Qu'est-ce que ça va me donner? Oh, du lapis. Je vais sacrifier quelques blocs pour directement, bah, me donner des blocs de lapis. Mais attendez, parce que des fois, ça me donne de la redstone. Pourquoi des fois, ça donne de la redstone? C'est complètement bugué. Bon, par contre, là, donne-moi du lapis, ça commence à me faire perdre pas mal de blocs. Ok, parfait. Hop, le bloc de lapis, et on le pose. Qu'est-ce que ça donne, ce bloc de lapis? Ok, ça donne un bloc comme ça, et si on le recasse, bah, plus rien. Eh, mais en vrai, c'est dur, hein, j'arrive pas à trouver un truc ultra cheaté. Genre du stuff en netherite, des trucs comme ça, quoi. Ou alors carrément des enderperles. Bon, en vrai, peut-être que j'en demande beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Est-ce que je peux faire un bloc? Ok, allez, on va faire un bloc. Et qu'est-ce que ça donne? Et rien du tout. Oh, mais attendez, avec tout l'émeraude que j'ai, je peux faire un bloc d'émeraude. Oh, s'il te plaît, j'espère qu'il est ultra cheaté. Attention, on va le péter directement. Et oh, un bloc de fer. Ah, mais non, en fait, c'est un bloc de cuivre. Bon, ok, je me trompe à chaque fois. Bon, on va essayer de le recasser pour voir qu'est-ce que ça donne. Et oh, ok, un four. Parfait, je peux enfin faire cuire ma bouffe. Là, j'ai eu de la chance. Et d'ailleurs, avec le charbon, je peux aussi faire un bloc de charbon. Eh, je suis sûr que le bloc de charbon donne un truc ultra cheat. Et non, d'accord. Allez, au moins ça, s'il te plaît. Et pff, mais j'en peux plus de ce truc. Eh, mais attendez une seconde, depuis tout à l'heure, je suis à côté de plein de bois de boulot. Et bah, je les ai même pas cassés. What? Ça donne des blocs de fer. Oh, la richesse. Ok, très bien. Là, c'est la richesse. Oh, mais incroyable. Eh, je peux même faire un beacon grâce à ça. Si j'arrive à avoir un beacon, je vous promets que dans l'end, je vais l'activer. Bon, bah, nickel, on a du fer illimité. Adieu le stuff en or. Et bonjour le stuff en fer. Oh, le braquage qu'on vient de faire, je suis mort. Je vais essayer de faire un bloc de paille et de le casser pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça va me donner un bloc de diamant? Et non, même pas, d'accord, ça donne rien du tout. J'ai clairement le seum. Oh, mais attendez, regardez ce que je viens de trouver. Il y a plein de nouveaux blocs à casser ici. Déjà, bah, il y a de la cobblestone, un classique. Est-ce que ça donne un truc cheaté? Non. D'accord, c'est pas grave. De toute façon, on a d'autres trucs. Ok, des pancartes. Qu'est-ce que ça donne? Ok, de l'or. On va essayer de faire un bloc d'or pas cuit. Et encore une fois, bah, de le casser pour voir ce que ça donne directement. Alors, hop, boum, et paf. Ok, bah, ça donne une bannière noire, d'accord. Et si je la recasse, qu'est-ce que ça donne? Et oh, attendez, je sens qu'il y a un potentiel. Ok, un bouton. Qu'est-ce que le bouton donne? Ok, il donne ça. Et qu'est-ce que ça donne ça? Encore un truc. Et qu'est-ce que ça donne ça? Bah, plus rien, d'accord. Ok, bon, il y a une limite. Eh, je pensais vraiment qu'on allait arriver à un truc vraiment cheaté là pour le coup. Allez, mais donnez-moi des trucs cheatés là. Ok, ça donne pas mal de trucs ça. Wesh, attends, mais c'est quoi ces trucs? Eh, mais ça donne vraiment des trucs aléatoires de fou ça. Et le bloc de fer, qu'est-ce que ça donne? C'est vrai que j'ai pas essayé en fait. Bah, ça donne rien du tout, d'accord. Bon, bah, je me casse. Et d'ailleurs, j'ai essayé de casser de la terre, mais j'ai pas essayé de casser de la terre sans le truc. Ah, ouais, ça donne directement, bah, des slimes, d'accord. Bon, c'est pas très utile, mais c'est quand même pas mal. Allez, donne-moi de la netherite, s'il te plaît, ou un truc. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Des blocs de corail, d'accord. Est-ce que ça donne autre chose? Ok. Allez, là, je sens la richesse arriver. Allez, s'il te plaît. D'accord, un panneau. Ok, très bien. Maintenant, si on le recasse, qu'est-ce que ça donne? Ok. Allez, s'il te plaît, donne-moi de la netherite, ou un machin comme ça. Allez, s'il te plaît. Et non, d'accord. Encore ce truc nul. J'en peux plus. Faudrait que j'arrive à trouver du fer directement. Ah, voilà, parfait. Ici, qu'est-ce que ça donne? Ok. Eh, mais les tapis, ça en donne pas mal en vrai, hein, depuis tout à l'heure. Ok, granit. Et la granite, bah, on sait ce que ça fait. Ok, très bien. Il faudrait que j'arrive à trouver du diamant pour voir ce que ça donne. Si ça se trouve, ça donne directement, bah, je sais pas, de la netherite ou un bloc de diamant, peut-être, je sais pas. Dans tous les cas, c'est aléatoire. Donc, tout peut arriver. Je vais refaire cuire encore un petit stack de bouffe et après, bah, je vais casser ce four pour voir qu'est-ce que ça donne. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va donner ce four. On a vu tout à l'heure que les fleurs, bah, ça donnait rien. Ouais, ça donne rien, d'accord. Oh, il y a un cochon ici. Si je le tue, est-ce que ça me donne autre chose? Et oui, ça me donne autre chose. Attendez, par contre, là, ça m'offre plein de possibilités parce que du coup, si je tue d'autres mobs, est-ce que je peux avoir d'autres trucs? Et oui, là, le poisson, qu'est-ce que ça donne? Ok. Le poulet, dis-moi qu'il donne quelque chose de cool. Ok, d'accord, on va quand même récupérer, on va tout casser. On a le mouton. Allez, le mouton, s'il te plaît, donne-moi un truc bien. Une demi-dalle, ok, ok. Peut-être que ça peut nous amener à quelque chose de vraiment cheaté. Du coup, on va poser tout ça par terre. Hop, et bim, voilà. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à casser pour voir si je peux avoir quelque chose de cheaté. Et pour le moment, bah, j'ai pas grand-chose. Allez, s'il te plaît, donne-moi un truc, je sais pas, un machin. Et non, toujours pas. Une demi-dalle, allez, donne-moi. Oh, pff, purée, mais c'est trop dur. Et vraiment, limite, là, au point où j'en suis, tellement c'est dur. Je suis sûr que là, si je trouve des enderperles, et je vais directement dans l'end. Même full fer, je m'en fous, je le teste. Bon, maintenant, il faut que j'utilise vraiment mon cerveau et que je trouve vraiment un bloc ultra cheaté. D'ailleurs, là, il y a des citrouilles. On va directement, bah, les casser et ça me donne rien. Mais purée, mais il faut vraiment que je trouve quelque chose de bien. En vrai, je pense que si je trouve une grotte, il y a moyen que je trouve des trucs plutôt cool à casser. Ou alors un petit village avec pas mal de nouveaux blocs à casser. Eh, je suis dans un biome plein, c'est sûr qu'il y a un moment où il va y avoir un village. Enfin, j'espère. Oh, mais ici, attendez, regardez, il y a des champignons. Il y a moyen de trouver des trucs assez cheatés. Enfin, je l'espère. Allez, dis-moi que les champignons, ils donnent des trucs cheatés. Et non, ça donne des fleurs et les
les fleurs quand on les pose, bah... Oh, attends, pas celle-là, ok. Dis-moi que ça donne un truc bien et non, ça s'arrête là. Oh purée, mais j'en ai marre. Et du coup, le tronc du champignon, qu'est-ce que ça donne? Ok. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Encore un autre bloc. Ok, là, ça va me donner un truc bien. Oh, attendez, on a peut-être un truc. Je le pose, je le casse et on a un vieux bloc. Oh, allez, s'il te plaît, donne-moi un truc bien. Oh, encore ce truc. Maintenant, avec l'autre sorte de champignon, oh, du diamant, enfin. Oh, j'en pouvais plus. Je peux enfin être full diams. Allez, pour là, il faut pas me le dire deux fois. Je vais clairement spam ça et récupérer un maximum de diamants. Et je vais même essayer de casser un bloc de diamants pour voir ce que ça donne. Ah, vous savez pas à quel point je suis heureux là pour le coup. On a déjà 20 diamants. Oh, mais c'est abusé. On va se faire directement le full diams parce qu'on perd pas de temps. Et hop, là, je suis beaucoup plus stylé. Je vais même me faire une pioche et une épée. Là, on est vraiment bien. Il me manque plus qu'à farmer de quoi faire un bloc. Voilà, parfait. Je crafte le bloc. Et boum. Et j'ai plus qu'à le casser. D'accord, ça donne rien. Bon, bah. Voilà, je viens de me faire arnaquer. Bon, en tout cas, je suis très content d'avoir trouvé le diamant. Mais par contre, j'aimerais bien trouver maintenant bah, les underperles ou un truc comme ça. On va essayer de casser ce bois là directement. Et ok, ça donne un truc. Ok, on va directement encore le casser. Ok, très bien, des escaliers, une demi-dalle et du pain. Bon, d'accord, bon, c'est pas si ouf, mais ça va. La fleur rouge, qu'est-ce que ça donne? Oh, ok, de la concrète blanche. Ok, on va essayer de la casser directement. Et ok, ça s'arrête à là. Ah, qu'est-ce qui pourrait me donner des underperles? Ou même des yeux de l'end en fait, directement. Parce que si j'ai juste des underperles, et bah, il va falloir que je trouve aussi des bâtons de blaze. Ah, il me paraît très très dur ce mode en vrai de vrai. Attendez une seconde, je viens de remarquer que j'ai abandonné le four là tout à l'heure que je voulais casser. Ah, oh, des fois je suis un peu tête en l'air en vrai. Hein. Il faut vraiment que j'arrive à rester concentré, comme ça bah au moins je peux rien louper. J'aimerais bien trouver un biome Mesa ou un biome rare avec des blocs différents, bah comme ça au moins je peux casser des nouveaux blocs. Parce que là j'ai l'impression que j'ai cassé à peu près tous les blocs en vrai de vrai. Il y a bien un truc que j'ai pas cassé, c'est pas possible. Et oh, attends, ce bloc je l'ai pas cassé. On va essayer directement de le péter pour. Oh what? Ok, attends, ça a donné pas mal de trucs, on va regarder. Toujours pas d'underpearl. J'ai un peu le seum, mais par contre ça m'a donné pas mal de trucs assez cool. J'ai eu de la TNT. Attends, on va voir, on va essayer de la casser. Allez s'il te plaît, dis-moi que ça donne un truc super cheat. Et non d'accord, ça donne le bois qu'il y a juste ici, du coup bah on sait déjà ce que ça fait. J'ai quand même essayé de le casser pour voir. Et ouais, ça s'arrête directement. Attendez, j'ai essayé d'en recasser, mais regardez, ça donne des items différents à chaque fois. Il y a même du diamant, il y a du fer, il y a un peu tout, il y a même de l'émeraude. Non mais les gars, c'est abusé. C'est quoi ce bloc trop cheaté là? Eh, j'ai 21 TNT les gars, je vous le dis, l'Ender Dragon il a qu'à bien se tenir. Eh mais attendez, j'ai pas essayé de casser du coco. Et ok d'accord, ça donne absolument rien. Ok, il y a bien quelque chose dans les mines qui donne quelque chose de cheaté. Attendez, mais d'ailleurs j'ai même pas cassé ce bois là en fait. On va essayer directement de le casser. Et ok d'accord, ça me donne ce bois là. On va encore essayer de le péter pour voir ce que ça donne. Ok, eh mais c'est un bloc de bois, il y a que du bois. Ok non, j'ai rien dit. Et du coup qu'est-ce que c'est que ça? Ok, s'il te plaît donne-moi des underperles ou un truc comme ça. Et non, toujours pas. Je sens qu'on y est proche les gars. Mais ouais, c'est quoi tout ça? Allez s'il te plaît. Bon bah pour finir ça m'a donné un bloc de fer. Bon ok très bien, on va essayer encore de casser ça. Oh, what? Ok. On a une pomme dorée juste ici, on va essayer de la prendre. Allez, s'il te plaît, dis-moi que ça donne des underperles. Je sais pas, peut-être qu'il faut que je casse plus. Ok, par contre, ça me donne des livres. Un projectile protection 1. Bon, c'est toujours pas ouf. Il y a aussi les rails qu'on n'a pas cassés. Ok, d'accord, ça donne ce truc nul. Allez, s'il te plaît, dis-moi que ça donne des trucs bien. Oh, ok, ça donne que du caca, mais s'il vous plaît. Oh là là, mais ce datapack, les gars, il est tellement dur. J'ai l'impression que je dois réfléchir à tout. Si je laisse passer une seule chose, c'est fini pour moi. Ah là là, c'est dur. Si je tue un axolote, est-ce qu'il va me donner un truc cheaté? Et bah non. Toujours pas. Il faut vraiment que je recherche des nouveaux blocs. Oh, attendez, ça donne des trucs peut-être. Ok, des blocs d'os. Ensuite, ok, une demi-dalle en pierre. Ensuite, une barrière du nether. Allez, s'il te plaît. Et des pastèques. Purée, mais j'en ai marre, je sais pas comment faire. Quel bloc pourrait me donner des underperles? Oh, peut-être ça là. Oh, s'il te plaît, dis-moi que ça donne un truc. Ok, ça donne des trucs pas ouf, je pense. On va essayer de voir ce que ça donne. Peut-être que ça peut arriver à quelque chose. J'ai eu une tête de squelette. Oh, purée, attends, ça peut être pas mal. Ok, allez, s'il te plaît. Peut-être un truc bien. Allez, là, il y a un stack de trucs. Et non. Toujours ce truc nul là. J'ai l'impression que ça revient beaucoup à cette bougie là. Oh attends, le bloc qui est juste au-dessus de moi, on l'a jamais testé. Ça me donne un bloc de bois rempli. Eh, j'espère que ça donne quelque chose de bien, d'accord. Ok, d'accord. Allez. Oh, du diamant encore. What? C'est un autre item qui donne du diamant, d'accord. Bah d'accord, ok, d'accord. C'est un concept. Par contre, j'ai toujours pas essayé de casser de la cobblestone. Bah normal en fait, pas celle qui est cuite. En même temps, je peux pas en trouver tant que j'en ai pas vu en fait. Ok, de la displate. Est-ce que la displate ça fait quelque chose? Et non, ça fait absolument rien encore une fois. En vrai, avec le fer que j'ai, je pourrais déjà aller dans le nether et peut-être trouver des nouveaux blocs. Vous savez quoi, c'est ce qu'on va faire. Il faut juste que je trouve une source d'eau le plus rapidement possible et ok, bah voilà, parfait. Le petit seau d'eau, let's go. Je le remplis d'eau et j'ai plus qu'à faire le moulage. Bam, bam. Oh mais attendez, je viens de faire de la cobblestone et je l'ai cassé sans faire exprès, mais je m'en suis pas rendu compte. Du coup, la cobblestone, ça donne ça et rien d'autre, ok, d'accord. Bon bah je continue mon moulage. Bam, bim, boum, bam, foupa. Et let's go. Bon maintenant, il faut que je trouve un moyen de faire brûler du bois, bah pour allumer le portail. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais casser de la cobblestone, hop, et
j'ai directement du bois et je vais essayer de le faire brûler comme ça. Je sais pas si ça va fonctionner. Eh, c'est vraiment chelou, j'ai l'impression que le bois il veut pas brûler. Alors que pourtant, bah j'ai collé de la lave directement à du bois. C'est complètement bugué. Ah, mais attends, il y a de la redstone comme ça, on a jamais essayé de la casser. Ok, on a eu une demi-dalle. Ok, on va essayer directement de continuer le plus rapidement possible pour voir qu'est-ce que ça va donner. Eh, j'espère que ça donne quelque chose de bien, mais pour le moment ça donne pas des trucs ouf. Et ouais, ok, ça donne rien. Eh, ça fait vraiment 5 minutes que je ne sais pas quoi faire. Je suis devant le portail, je sais pas quoi faire. Oh, ça a pris enfin feu et ça a pas allumé le portail. Oh purée, il faut que je trouve une autre solution là. Comment je vais faire? Je vais essayer de remettre du bois ici, mais je comprends pas pourquoi ça a brûlé que à peine maintenant, alors que ça fait vraiment 5 minutes que j'attends. Bon bah, j'ai plus qu'à attendre. What, les gars, ça a brûlé, mais ça a même pas allumé le portail. Attendez, mais il faut vraiment que j'arrive à trouver un moyen d'allumer le portail là. Si je les mets comme ça, normalement ça peut arriver que ça peut brûler là. Ok, j'ai enfin réussi. Ok, je sais pas pourquoi ça a même pas brûlé, ça s'est activé tout seul. Ok, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Parfait, du coup on va aller dans le Nether. Allez, c'est parti. Wow, ok, me voilà dans le Nether. J'ai tellement de blocs à casser là, les gars, je vous dis, il y a moyen que je trouve quelque chose de bien. Alors déjà, on a ces blocs là, on va directement aller droit au but et les casser. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que ça donne? Ok, ça donne directement ça. Ensuite, ok, d'accord, c'est pas ça, il faut qu'on passe à autre chose. La Netherrack, qu'est-ce que ça donne? Ok, de la terre, ça donne rien, on avait déjà vu, ok. Le quartz, qu'est-ce que ça donne? Ok, d'accord, ça donne directement bah, de l'améthyste. Et du coup, bah, avec de l'améthyste, je peux faire un bloc d'améthyste et directement bah, le casser pour voir ce que ça donne et ça donne rien, d'accord. On a la Netherrack rouge et oh, what? Ça donne des têtes de Wither. Oh, les mecs, on pourrait se faire le Wither si on le voulait en fait. Oh, dommage que c'est pas des Ender Pearls, j'aurais vraiment kiffé. Bon bah si jamais je voulais le faire, je pourrais directement activer un Wither si je veux. Oh mais attendez, mais avec mes blocs d'or, je peux directement faire les trades avec les piglins. Ok, je crois que c'est clairement ce que je dois faire. Il faut que je trouve un bastion. Avec un peu de chance, il devrait y en avoir un pas très loin. Ou sinon, bah il y a directement un Biomenderman. Ok, d'accord, très bien. Ça me va aussi, hein, c'est quand même pas mal. Mais après ça, il faudrait quand même que je trouve une forteresse. Ah mais non, mais attendez, mais même les loots des mobs sont modifiés en fait. On va voir ça directement. Dans tous les cas, il faut que je trouve un petit Enderman. On va essayer de casser déjà les blocs ici. Ok, d'accord, ça me donne ça. On a vu que ça donnait rien ça. Le champignon, qu'est-ce que ça donne? Ok, une table de craft, ok, cool. Maintenant, les petites feuilles, ok, d'accord, ça donne ça. Ça, ça donne ça. Ok, on va essayer de casser encore, ça donne rien. Le magma bloc, qu'est-ce que ça donne? Ok, ça donne de la diorite, ensuite, ça donne rien. Ça, ça donne absolument rien, d'accord. Eh, mais c'est dur en vrai. Ok, on a notre premier Enderman. Salut toi, allez hop, tu vas directement mourir. Bon, il m'a rien donné, mais peut-être que c'était pas de la chance. Il faut peut-être que j'en trouve un autre. Allez, boum! Mais il m'a encore rien donné. Soit j'ai pas de chance, soit, bah, il donne rien en fait. Allez, s'il te plaît, dis-moi que tu donnes un truc et. Non, tu donnes rien, d'accord. Je suis prêt à parier que j'ai juste pas de chance en fait. Bon, j'en ai encore tué un autre et il m'a encore rien donné. Donc, je peux. Ok, d'accord. Regardez qu'est-ce que je viens de trouver. Je vais mettre un petit plastron en or comme ça. Bah, je passe ni vu ni connu. Ah non, en fait, non, d'accord, je suis clairement cramé. Allez, meurs, frérot. Bon, là, j'ai pas mal de blocs à casser. On va directement essayer de choper un truc pas mal. Ok, de la Netherrack, on a vu que ça donnait rien. Ça, qu'est-ce que ça donne? Ok. Qu'est-ce que j'ai pas encore cassé? Ça, j'ai pas cassé. Allez, hop, donne-moi ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui donne quelque chose de bien. C'est pas possible. Si je fais ça et que je pose ça et que je casse, qu'est-ce que ça me donne? Ok, un bloc. Ok, là, un bouton. Allez, s'il te plaît. Ok, des flèches. Bon, bah, c'est pas ouf en vrai de vrai. Les lanternes, peut-être que ça peut me donner quelque chose de bien. Et non, même pas. Bon, je crois que j'ai à peu près tout cassé. Mais maintenant, il y a un petit coffre ici. On va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, un sticky piston à peine, d'accord. Pourquoi il y a un sticky piston juste à l'intérieur? Bah, on va essayer de le poser et de le casser pour voir qu'est-ce que ça donne. D'accord, ça donne ça. Ensuite, ça donne ça. Allez, s'il te plaît, donne-moi un truc bien. Et ok, non, ça s'arrête. Peut-être que le coffre me donne quelque chose de bien. Et non, d'accord, ça me donne bah, des planches. On a vu ce que ça donnait déjà. Oh, j'en ai marre, les gars, j'ai l'impression d'être perdu. Il y a bien quelque chose qui donne des enderpearls. Peut-être ce bloc là. Ok, non, il donne rien, mais wesh. J'avais de l'obsidienne pleureuse dans mon inventaire et je vais essayer de la casser pour voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être que c'est ça en fait. Et du coup, qu'est-ce que ça va me donner? Attention, d'accord, ça me donne ce bloc rose. Ensuite, ça. Ok, ensuite, ça. Ok, le reste, on connaît, d'accord. Et du coup, bah, les blocs d'or, bah, je peux pas les récupérer. Ça, c'est un petit peu chiant en vrai de vrai. J'ai réussi à capturer deux piglins. On va essayer de faire des échanges avec. Allez, s'il te plaît, dis-moi que ça donne des échanges normaux et que c'est pas modifié. Oh là là, c'est clairement modifié. Regardez, il m'a donné des trappes. Après, peut-être qu'il peut me donner l'item qui fait que, bah, que si je le casse, j'ai des enderpearls. Oh purée, je crois vraiment qu'il donne que des trappes en fait. Il y a rien d'autre. Oh, ce data pack est vraiment dur, les gars. Il faut que j'arrive à m'en sortir. J'ai récupéré quelques trappes pour voir qu'est-ce que ça va donner si je les casse. Et pour le moment, bah, j'ai l'impression que ça donne pas des trucs de fou en vrai de vrai. Et ça donne rien au final. Ok, très bien. Bon, bah, je sais vraiment pas qu'est-ce qui donne des enderpearls. Peut-être ce bloc lumineux là, j'ai pas essayé de le casser encore. Et ok, très bien. Ça me donne la diorite. Et la diorite, je crois que j'ai déjà essayé, mais je vais quand même le casser. Et ouais, ça donne rien, d'accord. Peut-être les feuilles des arbres, je crois que je les ai pas cassées. Et d'accord, ça donne rien du tout. La glowstone, qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Les feuilles, ok, ça donne peut-être quelque chose. On va essayer. Allez, s'il te plaît, dis-moi que ça donne quelque chose de bien. Et oh,
Oh, Smite 3, d'accord. Bon, je sais vraiment pas qu'est-ce qui donne des Underpearls, j'ai un peu le seum. Ok, là, il y a des lianes, je vais essayer de les casser, ça donne rien, d'accord. Ok, j'ai une forteresse, je pense qu'il y a pas mal de nouveaux blocs à casser. Et je vais essayer de casser le spawner à Blaze, peut-être qu'il va me donner quelque chose. Par contre, j'ai plus de blocs, il va falloir que je farme un petit peu de blocs pour y aller. Ok, deux stacks de terre, normalement, ça devrait le faire. C'est parti pour faire le petit pont. J'espère que dans la forteresse, il y a vraiment quelque chose de bien à l'intérieur. Ok, me voilà arrivé devant ce bloc et... Ok, ça donne un entonnoir. Maintenant, qu'est-ce que l'entonnoir donne? Attention, ok, une demi-dalle. Et la demi-dalle donne des patates, d'accord, très bien. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à casser? On a ça. Oh, what? Ok, ça donne des name tags, ça donne pas mal de trucs. Il y a même une houe en diamant, ok, très bien. Bon, je vais pas la récupérer, mais bon. Est-ce que la soul scène, ça donne quelque chose? Ok, ouais, la soul scène, ça donne quelque chose par contre. On va essayer de casser du coup la cible. Attention, qu'est-ce que ça donne? Ok. Et ça, du coup, ça donne plus rien après. What? Ça redonne de la terre? Mais il y a trop d'items qui donnent de la terre, c'est abusé. Il y a bien un bloc que j'ai oublié, c'est sûr et certain. Par contre, dans les coffres, vraiment, il y a rien de fou, hein. Regardez, j'ai des coffres, ils sont complètement modifiés. Ok, on a un wither squelette, on va essayer de le tuer. Est-ce qu'il va me donner un truc bien? Allez, s'il te plaît, dis-moi que tu donnes des trucs bien. Encore cette bougie. J'en ai marre, les gars, vraiment, j'en peux plus. La 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 la. Oh, un petit coffre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, what? Plein de stacks d'underpearls. Bon, j'avoue, c'est moi qui ai rajouté ça en créatif. Mais les mecs, je viens de faire quasiment tous les blocs. Eh, vraiment, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires quel bloc j'ai oublié. C'est sûr, j'ai oublié des blocs, mais je peux pas tous les faire, les gars. Bon, au moins, c'est pas très grave, on peut directement aller tuer l'Ender Dragon. Parce qu'en vrai, je vois vraiment pas quel bloc ça peut être maintenant que j'ai tout fait en fait. Bon, c'est pas très grave, on va retourner dans le monde normal et tuer l'Ender Dragon. Mais juste avant, on va essayer de péter directement le spawner pour voir ce que ça donne. Et ça donne un œuf d'Ender Dragon. D'accord, d'accord. Bon, ça donne un œuf d'Ender Dragon, mais ça donne toujours pas d'Ender Pearl. C'était presque ça en fait. Bon, allez, c'est parti pour retourner devant le portail du Nether. One eternity later. Bon, ok, normalement, ça devrait être directement ici. Ok, voilà, c'est là, parfait. Heureusement que j'ai pris les coordonnées. Allez, c'est parti pour aller dans le monde normal. Let's go. Wow, ok. Me voilà de retour dans le monde normal. Si je me fais un arc, normalement j'ai de quoi péter tous les Ender Crystals. Les mecs, je viens de tuer une araignée et ça m'a donné un totem d'immortalité. What the fuck? Bon, regardez, il y en a une autre pour vous montrer. J'ai la preuve. Regardez, voilà, ça vient de me donner un totem d'immortalité dans le plus grand des calmes. Oh, c'est incroyable. Bah là, les gars, vraiment, je suis super bien. Le seul problème, c'est que je peux pas me faire un arc, mais j'ai directement une arbalète. Du coup, c'est parfait. Mais c'est pas si ouf. Je sais pas si c'est vraiment bien pour péter les Ender Crystals. Je crois que je l'ai jamais fait en fait. Bon, bah, c'est pas grave. On va remonter directement à la surface. Ok, me voilà directement de retour à la surface. On va balancer les Ender Pearls et boum. Ok, c'est dans cette direction, on va y aller directement. Normalement, je devrais pas trop galérer à trouver le Stronghold. One eternity later. Allez, dis-moi que c'est là, s'il te plaît. Oh, ça a changé de direction. Oh, ça devrait être pas si loin que ça, en vrai de vrai, hein. Parce que ça vient à peine de changer de direction. Je vais essayer de spammer pour voir, bah là, ok, d'accord. Ça avance tout droit, d'accord. Attendez, il y en a une qui vient de descendre, ok, d'accord, c'est en dessous de moi. J'ai enfin trouvé le Stronghold, je pense. Enfin, je l'espère, allez, c'est parti, on descend. Normalement, je devrais arriver directement devant le Stronghold. Ok, je crois que je suis arrivé. Et oui, je suis arrivé. Et d'ailleurs, bah maintenant, il faut que je trouve directement le portail de l'End. Ok, d'accord. Il est directement en face de moi, en fait. On va péter le spawner pour voir qu'est-ce que ça donne. Et ça donne encore un œuf. Ok, d'accord. En fait, dans tous les cas, ça donne un œuf d'Ender Dragon. Bah, vous savez quoi? On va marquer notre territoire en posant l'œuf juste ici. Ah, me voilà enfin arrivé. On est full diams. On a galéré comme des oufs. Et en tout cas, on est enfin arrivé devant le portail. Je vais directement le remplir. Ah, ça fait du bien d'être arrivé quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du datapack dans les commentaires. Mettez un maximum de likes pour m'encourager à tuer l'Ender Dragon. Et sur ce, bah moi j'ai un destin à affronter et let's go. Wow, ok, me voilà arrivé dans l'End. Ender Dragon, fais tes prières, car je suis prêt à te tuer. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne du coup ce bloc là? Ok, ça donne un truc qu'on a déjà vu. Bon, c'est pas très grave. Bon, on va péter maintenant les Ender Crystals. Let's go, je n'ai jamais essayé avec une arbalète. Du coup, je vais sûrement galérer. Ok, ça passe, let's go. Ok, celui-là, est-ce que ça passe? Et oui, ça pète. C'est quand même un peu galère avec une arbalète en vrai de vrai. Mais en vrai, ça va, je m'en sors bien. J'arrive à quasiment tous les péter. Ok, je viens de péter tous les Ender Crystals et à moi l'Ender Dragon. On n'a plus qu'à lui mettre des coups et wow. Ok, d'accord, il vient clairement de m'éjecter. Est-ce que je peux repasser à l'intérieur? Ok, ouais. Oh, wow, 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 wow. Ok, attends, il faut que j'MLG. Ok, parfait. Wow, il vient de me projeter comme un ouf. Heureusement que j'avais mon seau d'eau parce que je crois que je serais carrément mort en fait. Bon, par contre, avec le multishot, je suis sûr de toucher l'Ender Dragon à chaque fois. C'est quand même assez cheaté en vrai le multishot. Bon, par contre, ça use deux fois plus la durabilité de mon arbalète. Ok, il descend. À moi l'Ender Dragon. Allez, boum, boum, boum. Allez, on enlève pas mal de vie. Ok, il est à la moitié de sa vie. Ok, il se barre. On lui a quand même enlevé la moitié de sa vie. Plus qu'à attendre qu'il redescende. Ok, il redescend. C'est le moment de le tuer. Allez, on lui met plein de coups dans la tête. Allez, meurs, frérot. Ok, il se barre direct. Eh, mais la vie, elle part tellement vite. C'est abusé. Ok, parfait, il redescend. Je crois que ça va être la fin. Ou peut-être pas s'il a un peu de chance. Allez, meurs, mon pote. C'est tes derniers instants sur cette vie. Allez, meurs. Oh, purée, il lui
il lui reste rien du tout. Oh, j'ai tellement la haine, il lui manque genre deux coups. En plus, il est descendu, mais je peux pas y aller. Ok, je peux y aller, parfait. Allez, il meurt. Non, oh, what? On l'a tué, faut que j'aime le G. Allez. Ok, parfait. Oh, il m'a donné un coup juste avant de mourir. Oh là, ok, on vient enfin de le tuer. Ah, et on a tout l'XP qui va avec, bien évidemment. Bon, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, je vous remercie pour les 100 000 abonnés. Mon Discord est dans la description. Et sur ce, ciao!